Bonjour, chers amis d'Élisabeth Brial. Ici Franco Zor, en direct à l'école, qui vous souhaite une bonne semaine d'école virtuelle. C'est la semaine du 25 au 29 mai. La prière d'aujourd'hui est une prière pour souligner la Pentecôte, qui sera célébrée en fin de semaine. La Pentecôte célèbre la venue de l'Esprit-Saint parmi les disciples qui suivaient Jésus. C'est un moment de se souvenir que nous sommes toujours entourés par l'amour de Dieu. Je vous invite à vous recueillir pour la prière. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, Amen. Viens, Esprit-Saint, viens nous donner la douceur et nous pourrons tendre la main au lieu de condamner. Viens, Esprit-Saint, viens nous donner la joie et nous pourrons distribuer la fête à ceux qui ont perdu l'espoir. Viens, Esprit-Saint, viens nous donner la confiance et nous pourrons marcher sans crainte dans les marécages. Viens, Esprit-Saint, viens sur notre terre et fais danser en nos cœurs le feu de l'amour divin. Amen. Nous espérons que vous avez eu une belle semaine et que vous avez regardé la célébration de la messe avec Père Jean-François. N'oubliez pas de vous joindre à lui à tous les dimanches, surtout en fin de semaine, pour la célébration de la Pentecôte. Cliquez le lien dans la description. Un gros merci à tous les élèves qui nous ont partagé des photos et des vidéos de leurs chefs-d'œuvre. Avec le beau temps, ça fait du bien de pouvoir être créatif dehors. Si jamais vous avez manqué la date, vous pouvez afficher vos photos et vos vidéos dans les commentaires du Facebook de cet affichage. Avec des simples dessins ou des bricolages. Cette fin de semaine, j'ai reçu un message fantastique de Mme Jenny et Mme Danielle. Elles nous annoncent une première ici à Élisabeth Brial, un sautons en chœur virtuel. On vous invite à venir sauter avec nous virtuellement le jeudi 4 juin. S'il pleut, on se verra le vendredi au lieu. Madame Jenny, Madame Danielle et moi-même serons des vôtres pour animer une petite session de saut à la corde avec une compétition surprise. Vérifiez nos réseaux sociaux, vos courriels et l'aide aux parents pour toutes les informations dans les prochains jours.
Madame Jenny a préparé une activité simple pour vous préparer à participer au sautons en chœur virtuel. Allons voir. Salut les élèves, j'espère que vous allez bien, il fait vraiment beau aujourd'hui. Cette semaine, on vous propose un petit jeu de pile ou face. Donc, il y a 10 exercices et il s'agit de, à chaque fois que tu finis un exercice, de faire pile ou face pour savoir si tu vas faire l'exercice qui est dans la colonne pile ou si tu vas faire l'exercice qui est dans la colonne face. Alors, c'est un petit jeu pour continuer à bouger, pour s'amuser, pour avoir du plaisir. Tu peux le modifier, tu peux le faire un petit peu comme tu veux, s'il y a un exercice que t'aimes moins ou que t'as une autre idée. Puis aussi, c'est pour nous préparer pour le sautant en cœur virtuel que Madame Danielle et moi allons faire dans 2 semaines. Donc, c'est pour vous préparer. J'espère que vous allez aimer le petit jeu. Tu peux le faire à l'intérieur ou à l'extérieur. Sur ce, bonne journée! Bye.
Bravo les amis! Alors je t'invite à le faire avec moi. S'il fait beau, tu peux le faire dehors, sinon tu peux le faire à l'intérieur. Ou si tu as le goût de faire autre chose, fais-le. Vélo, bicyclette, marche, course. Continuez à bouger et prenez soin de vous. À bientôt les élèves! Il va falloir que je m'entraîne avec sérieux cette semaine pour pouvoir participer au sauton en cœur virtuel. Envoyez-moi des photos pour me motiver à bouger cette semaine. On peut se préparer ensemble pour être en bonne forme pour sauter virtuellement. Vous pouvez envoyer vos photos à Mme Danielle en trouvant son courriel dans la description du vidéo. Ou, si c'est plus facile, envoyez-les à votre enseignant ou votre enseignante. Un gros merci à tous les amis qui nous écoutent en toutes les semaines. On est contents de vous voir et passer un petit moment ensemble. On espère vous voir lors de la soirée sociale mercredi avec l'invité spécial de la semaine. On partage toujours l'invitation sur le Facebook de l'école et dans les groupes parents. On se quitte pour le moment, mais pas pour longtemps. En attendant, je commence mon entraînement. On vous aime beaucoup et n'oubliez pas, ça va bien aller. À bientôt!